Oui, très bonne compétition ici. Je fais un très bon 1500 hier. Je suis content de vraiment ma première partie de course. Et je passe sur mes bases de mon meilleur temps l'année dernière à Rio aux Jeux Olympiques. Et voilà, je finis un peu tout seul, donc un peu plus dur la fin de course. Mais le temps est vraiment très correct à l'arrivée. Aujourd'hui, le 400, je fais deuxième. C'est un peu plus dur d'enchaîner les deux 400 après le 1500 d'hier. Donc bon, ça reste un niveau correct, même si je m'attendais à faire un peu mieux cet après-midi. Et il me reste deux jours de récupération avant le 800, où j'espère justement finir sur un bon temps 800. Et je pense que ça va bien se passer. La compétition se passe très bien ici. Tout le monde s'encourage. Il y a des bonnes vibrations, tout se passe bien. Donc je suis content d'être ici et hâte d'être à dimanche. Alors, je suis qualifié aux US Open parce que cette année, j'ai pas nagé très très vite. Et sur les championnats de France, c'est la compétition qualificative pour les championnats du monde. Et pour les Français, il faut être dans les deux premiers. Et on a des temps de qualification à faire. Et j'ai pas réalisé tant de qualifications et pas les places. Donc pour moi, c'était 15-01 à nager, 7-51 et quelque chose comme 3-47. Donc c'est des temps accessibles, mais que j'ai pas réalisé au championnat de France. Donc j'ai été qualifié en équipe B avec des jeunes nageurs. Je suis le plus vieux pour la première fois. Et voilà, on est là au championnat US Open pour se confronter un peu à un bon niveau quand même. Il y a quand même un bon niveau ici comparé sur des championnats Open qu'on aurait pu faire ailleurs dans le monde. Donc on est tous contents d'être là et ça se passe très bien pour l'instant. On espère que ça va continuer comme ça.